Ce lundi 29 mai, sur sa page Instagram, Léa de Mariée au premier regard a fait savoir à ses fans que son compte a été piraté. Elle les a invités à se rendre sur une autre page créée pour l'occasion. En mars dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 7e saison inédite de Mariée au premier regard. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux candidats désireux de se lancer dans cette incroyable expérience. Ainsi, Léa a rencontré Emmanuel pour la première fois le jour de leur mariage à Gibraltar. Si la jeune femme a eu du mal à être proche de son mari, elle a fini par se sentir bien avec lui lors de leur voyage de noces au Portugal. Depuis, les jeunes mariés ne se quittent plus, partageant de beaux moments ensemble, entre complicité et rapprochement physique. Mariée au premier regard, Léa victime d'un piratage sur ses réseaux, elle prévient ses abonnés ce lundi 29 mai, Léa s'est connectée à une page Instagram qu'elle a dû créer après avoir été victime d'un piratage. En effet, sa page officielle qui compte plus de 80 000 abonnés a été piratée. Une vidéo pour vous dire que je suis bien en vie, a-t-elle commencé. Et de poursuivre, j'ai bien été piratée sur l'autre compte. Je ne sais pas qui sont ces gens ni le but du piratage. Oui, je suis dégoûté, un petit peu, mais vu que ce soir il y a la diffusion, je voulais vraiment faire cette vidéo pour éviter que des personnes aillent sur l'autre compte ou bien partagent au public. Je vous invite à venir sur ce compte. Pour l'instant, il n'y a rien. Je n'aille vraiment pas la foi, ça viendra petit à petit. On va essayer de rétablir l'autre compte. Je vous invite à venir par ici et à ne surtout pas aller sur l'autre compte. Léa, mariée au premier regard, victime d'une arnaque au Bitcoin, Emmanuel à la rescousse la veille de la publication de son message vidéo, Léa a pu compter sur l'aide de son mari, Emmanuel. En effet, dans sa story Instagram, le trentenaire avait déjà repéré que quelque chose clochait sur la page Instagram de sa moitié. J'ai Léa qui s'est fait pirater son compte, donc ça serait cool si vous pouviez le partager et le signaler parce qu'il y a une arnaque au Bitcoin dessus. Si est-il pas elle du tout qui est sur le compte, donc si vous recevez des messages quelconques, ça ne vient pas d'elle, prévenait-il.